Salut à tous, c'est Maconnor Minou. On se retrouve sur KOTOR pour un nouvel épisode. Alors dans le dernier épisode, on avait chopé Joanie. Donc Joanie, c'était la Jedi noire qui traînait un petit peu dans des ruines là de Dantooine. Et donc elle est partie s'excuser au conseil Jedi. Voilà. Pour ce qui est de nous, on s'est arrêté ici devant cette petite grotte et on avait dit qu'on allait la visiter. Si vous vous souvenez, les maîtres Jedi nous avaient dit que les grottes étaient assez intéressantes. Puisqu'on pouvait y trouver des cristaux pour sabre laser. Donc on va y aller tranquillou mimilou. Je vais juste regarder un petit coup, soigner Pépère là. Et on y va. On a aussi trouvé pas mal de... Enfin pas mal, on a trouvé une grosse ruine qui ressemblait un peu aux ruines dans les visions, dans nos rêves. You asked for this. Ah. Hey. Bon, j'aperçois déjà des petits cristaux là-bas. On va soigner un petit peu les petits cocos là parce que le poison c'est vite handicapant quand même. Yes. Time to rumble. Huh? What? Allez, soigne-toi mes mères, qu'est-ce que tu fais? Bon, tant pis. On a perdu du soin pour rien. Yes. Bon, lui, on va juste attendre vite fait, hein. Elle, on va la soigner direct. Yes. Et puis nous, on va péter. Ok, bon. Allez, dégage-toi. Il y a pas mal de petits bugs comme ça. Ce serait bien qu'on puisse passer à travers les personnages. Bon, visiblement là on ramasse que du cristal, donc c'est plutôt pas mal. On peut pas aller. Ici y a rien à ramasser. Donc là il y avait un cadavre de Mandalorien. Ça, si à chaque fois on ramasse un cristal, on va vraiment être bien là. Alors je me demande si c'est vraiment du programmé, parce que ces cristaux qui sont toujours là, ou si c'est de l'aléatoire et qu'on peut tomber sur vraiment un cristal assez rare. Je sais que une fois qu'on a fini le jeu, on peut retourner, je crois que c'est sur une planète un peu bizarre. C'est un scénario qu'on peut débloquer en fait. Je sais plus comment ça se passe, mais je sais qu'il y a les chasseurs de primes. On arrive en fait sur un satellite, je crois que c'est près d'Yavin 4 ou un truc comme ça. Une base avec des Trandoshans et en les battant on gagne un cristal. Deux cristaux. Et c'est des cristaux de fou.
Ils sont, ça donne une couleur un peu orange. Il y en a un qui donne une couleur argentée au sabre, qui est assez canon quand même, argenté. Et puis une qui fait vraiment rouge-orange, assez vraiment, vraiment super. Bon, je crois que là on a nettoyé la zone. On va sortir de là. Et on va vite. Je pensais qu'il y avait plus de bestioles que ça. Et on va vite rentrer à l'enclave Jedi pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec la ruine là. Parce que je pense que c'est un peu le... notre objectif sur cette planète. Alors j'espère que les chiens cassent, ils se sont calmés vu qu'on a défoncé... Ouais, ok, il y en a peut-être encore. On a défoncé Juani. On va essayer de la retrouver à l'enclave Jedi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. On a récupéré le droïde. Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait nous rester comme quête encore? On avait dit aussi qu'on lirait. On a ramassé pas mal de blocs de données. On a des cristaux un peu partout, c'est cool. On n'a pas de cristal rouge. Ah si, oh putain, on a plein de cristal rouge, ça c'est cool. Toutes les armes là, moi en off, je ferai un bon coup de ménage. Chasse de Kalonor, ok. Kalonor, on s'en fout un peu. Les Mandaloriens. Jarg a disparu dans le secteur B, et peu de temps après, Risa a vu quelqu'un se déplacer au sud. Prenez quelques hommes avec vous. Ok. Ok, donc bon, on s'en bat un peu les steaks, on va aller voir quand même le journal de quête, c'est preuve de Jedi, on s'en fout, Kanderous. On a une mission, enfin une mission, une quête par personnage, voilà, ça nous force en fait à leur parler pour comprendre un peu plus sur leur passé. Donc ça... Ok, et le colon... Il espère que votre meilleure compréhension... Peut-être qu'on en parlera directement au conseil Jedi. Bon, c'est pas le tout, mais il faut qu'on rentre à la maison. Ici, y a rien. On va aller là-bas. Chemin du Nord. On va quand même aller visiter le petit coin là-bas. Ah, que cette musique est apaisante. C'est quoi ça? C'est des cadavres? Ils dorment, on va les laisser faire dodo tranquillou. Il y a un sacré vaisseau au-dessus. Ça ressemble vachement à la propriété qu'on a visitée avec le droïde qui bloquait l'entrée dans un des épisodes précédents. Central, ouais, okay, donc c'est la même propriété mais de l'autre famille. Ça a l'air d'être deux familles qui se tapent un petit peu dessus. Dans la futée. Je crois que là on peut retrouver oh là là, j'ai aucune idée d'où est l'enclave Jedi, c'est dingue. Bon, on va dire que c'est pas dans les propriétés. Il y a deux solutions, soit on retourne dans la vieille futée, ce que je pense pas, soit on va au chemin du Nord. On va aller peut-être voir le chemin du Nord. Restez tout tranquille. Oh là là, il y en a partout. Non mais qu'est-ce que vous faites?
Je sais pas ce qui leur est arrivé là, mais. Salut. Non, tais-toi. On va quand même se faire les Mandalore parce que c'est quand même important. Kars, hein, il commence à me saouler. Hop. Ok. Ok, bon. Yes. Ouais. On met les petits brassards des familles. Ready. Et on go. Je crois que les rouges de Mandalorian sont assez costauds. Sure. Je vais ajouter votre tête à celle des autres Jedi que j'ai tués. Mais je suis pas Jedi, gros. On va tenter une petite grenade étourdissante. Pour que... Waouh! Et les ch'teufs, l'enculé. On va faire un personnalisé. Les compétences. On s'en fout. C'est quoi là? Y'a même pas de description pour vigilance. C'est toujours utile, les pouvoirs. On avait dit qu'on tentait le soin. Oui, en fait, c'est très intelligent de faire le soin. Le problème, c'est que j'aimerais me concentrer sur d'autres talents, enfin d'autres pouvoirs de force, puisque généralement dans mon équipe, je prends toujours soit Bastila, Kassouin ou je sais pas quoi. Enfin, ou un autre Jedi. Ça, c'est pas mal aussi. On absorbe la vie des gens. On va prendre ça. C'est bien dark. Putain, il est costaud l'enculé, hein. Waouh. Missou est en train de crever. On va lui mettre un big medic pack. Allez, même les deux. J'ai pas envie qu'elle crève. Bon, c'est trop tard. Je veux pas dire qu'on est mal barré, mais ça pue un peu quand même. What? Ouais, ça pue carrément même. Bon, alors je vous retrouve ici, puisque en fait j'avais pas sauvegardé, je me suis retrouvé au début de l'épisode, donc avant la grotte. Je me suis retapé toute la grotte, et là je viens de défoncer les Mandaloriens qui nous avaient tués. Alors ils sont assez costauds quand même, je vous avoue, donc du coup j'ai été obligé de me blinder de... Merde, comment on appelle ça? Des injections en fait, je me suis un peu dopé pour pouvoir être à la hauteur, et finalement ça s'est passé comme dans du beurre. Du coup, on a récupéré les sabres laser des Jedi qu'il avait tués. On va pouvoir se faire plaisir. Se mettre un double Jedi. Un double Jedi. Ouf, un double sabre. Allez, on va mettre le rouge. Ça va être classe. Ça va être très classe. Et voilà, ça c'est cool. C'est fait. On va se mettre un tout petit coup de soin. Merde, j'ai fait le con là. Bon, du coup, on a plus du tout de medipack. Va falloir vraiment qu'on s'en jaille un peu dessus. Du coup, ça c'est fait. Il faut qu'on retrouve par où on repart. Donc là, c'est là où était Juani. On a déjà tout ramassé. C'est un sacré petit labyrinthe quand même ce truc. Chemin du Nord, ok. La propriété Matal. Bon, j'ai envie de dire, on va tenter le Nord à chaque fois. On va essayer d'éviter les toutous. Psst.
Ah, ça y est, l'enclave Jedi. On va faire quand même un tour aux ruines étranges. Ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas pu visiter les ruines. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que de toute façon, il faut l'autorisation. Je vais en parler au conseil Jedi et ça va sûrement être une de mes missions. Là, on va vite rentrer à la maison. Et je pense que je vous laisserai ici pour cet épisode. Bon, le toutou, on va être obligé de se le farcir. Bon, si jamais je serais pas contre trouver aussi le... Si vous vous souvenez, le Jedi qui nous avait demandé notre avis pour le meurtre. Parce que je pense que cette mission n'est pas finie, elle est encore dans ma quête. Bon voilà, moi je vais vous laisser ici. Dans le prochain épisode, je vais aller parler aux personnes qui m'ont donné des quêtes pour les résoudre, tout simplement, gagner mon XP. Et voilà, donc on fera la suite dans le prochain épisode. Allez, bye bye!